Moi, j'ai vécu mon postpartum comme si j'étais défaillante moi. Enfin, c'était moi qui avais un problème, c'était moi qui savais pas gérer, c'était moi qui n'étais pas une assez bonne mère. Et j'ai envie de dire aux femmes que c'est pas le cas, c'est un système qui nous met dans cette situation-là et c'est pas, on n'en a pas à s'en vouloir. Autour des 7-8 mois de mon fils, j'ai sombré complètement. J'ai pas vraiment repéré les signaux avant-coureurs, alors que j'avais des moments où je pouvais pleurer pendant 10, 15, 20 minutes sans m'arrêter. On a du mal à se retrouver, on doit nouer un lien avec cet enfant, c'est pas quelque chose qui est si naturel que ça. Et au bout de 8 mois de postpartum extrêmement difficile pour moi, je suis tombée en dépression et il a fallu que je fasse une thérapie pour réellement me sortir de là. Le postpartum, déjà, il faut dire qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Très souvent, en fait, on réalise ce que ça représente et les implications que ça peut avoir quand on le vit. Les symptômes les plus courants, ça va être les pertes de sang après un accouchement, qui s'appellent les loci. Ça peut durer, pour certaines femmes, entre 1 et 2 semaines. En moyenne, c'est à peu près 2-3 semaines. Pour 20% des femmes, ça va au-delà. Moi, j'ai eu des saignements pendant 6 semaines, des saignements extrêmement abondants. Je changeais mes protections pendant la nuit, je tachais mes draps, j'étais assise parfois sur les toilettes. J'ai des souvenirs où le sang coulait en continu pendant plusieurs minutes. Donc vraiment, des saignements qui peuvent être extrêmement importants. Il y a aussi les contractions utérines qui s'appellent les tranchées. Ça peut être aussi très impressionnant. Il y a l'incontinence urinaire. Il y a une grosse problématique de santé mentale autour des difficultés maternelles. On parle de la dépression postpartum. Ça touche une femme sur 5 en moyenne, donc c'est énorme. On n'est pas préparé à ces réalités-là, que ce soit sur le plan physique ou le plan psychologique, qui peut prendre des années à se résorber. Donc en fait, on est un peu à l'aveugle. Voilà, on vit le postpartum, on n'a rien à quoi se raccrocher. Aucune personne ne nous parle de ça. Et moi-même, quand j'ai vécu mon postpartum, j'en ai pas parlé. Je me suis auto-censurée en me disant si j'en parle, on va me regarder de travers. Peut-être que je suis la seule à vivre ça de cette façon, parce qu'on a la fausse impression finalement que tout le monde le vit très bien. On a l'impression de vivre les choses et qu'en fait la défaillance, elle est individuelle, que c'est nous qui avons quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est nous qui ne sommes pas d'assez bonne mère finalement pour être toujours heureuse avec son enfant, pour avoir toujours envie d'être avec son enfant. Donc c'est extrêmement toxique et en fait on va pas le montrer. Finalement, quand on va le ressentir, quand on va ressentir ces sentiments négatifs, on va culpabiliser. Donc on est dans une espèce de cercle infernal. Parler, ça soigne tout d'abord. Parce que si moi je parle à une amie de ce que je vis, peu importe qu'elle soit déjà mère, qu'elle veuille pas être mère, qu'un jour elle devienne mère plus tard, elle va se rappeler de ça en fait. Elle va se dire, attends, je me rappelle de telle copine qui m'avait parlé de ça. Donc elle va s'autoriser elle-même à parler, elle va se sentir légitime dans son ressenti. Donc déjà, individuellement, on peut avoir une espèce d'effet domino entre nous pour libérer la parole et mieux vivre cette période compliquée. Il faut vraiment que le personnel de santé soit formé à cette problématique du postpartum, vraiment dans le champ large, et qu'on ait vraiment un suivi rapproché pour les mères dans les premiers temps qui sont complètement déboussolées. Et puis, il y a cet autre pan qui me semble crucial, c'est le congé coparent. Enfin, je trouve ça horrible en fait de dire qu'une bonne mère, c'est une mère qui s'oublie, c'est une mère qui donne tout mais qui pense jamais à elle. Et quand on devient mère, on ressent vraiment cette injustice et je veux juste qu'on puisse réaliser ça de façon individuelle et puis qu'ensuite on se lance dans la bataille pour faire évoluer les mentalités sur le long terme et de façon très structurelle.